moi j'ai les boules, bien sûr, parce qu'on perd le match à domicile, c'est un derby, etc. Ok, d'accord. Mais moi j'ai les boules parce qu'on voit pas de jeu. Et je suis désolé, contre 3, on a été mauvais, ça a été encore Christopher Julien le meilleur joueur. Il est 0-0, contre, ouais. contre Montpellier, c'est une purge. Bon, Paris, Monaco, on met ça de côté parce qu'il n'y a pas grand monde qui iront gagner chez eux. On met ça de côté. Après, on gagne Rennes, on fait une mi-temps, une première mi-temps catastrophique. On se réveille en deuxième mi-temps. Donc, sur les trois matchs qu'on fait à domicile, je suis désolé, il y a une mi-temps d'intéressante. Tu t'es pas habitué, Younes ? T'es supporter de Toulouse depuis un certain temps. Tu t'es pas habitué ? Je suis abonné depuis 15 ans ou 16 ans. Alors, tu t'es pas habitué ? Mais bien sûr que je suis habitué. Mais c'est pas pour autant qu'on va se taire et continuer à regarder des matchs. Là où t'as raison, Younes, ce qui est paradoxal, c'est que t'as quand même de meilleurs joueurs qu'il y a quelques années. Qui a 3-4 ans par exemple, et que tu as cru avec l'entraîneur parce qu'il t'a sauvé dans cette fameuse fin de saison incroyable, que tu avais tiré le bon numéro. Or, là où je te rejoins, c'est que sur le jeu, sur la façon de jouer, non, Duprat il va pas te faire rêver. Ça, c'est ça le souci. On n'est pas surpris quand Duprat ne recrute pas de milieu offensif parce que c'est son voilà, c'est un peu ça. Il veut des joueurs défensifs, des milieux def, peut-être, etc. Qu'il a pas trouvé Gourvennec à l'inverse, on sait que voilà, dès qu'il a Guingamp, il a toujours voulu faire du jeu, et là on a la sensation qu'il s'est dit, avec les trois que j'ai devant, j'ai plutôt besoin derrière de l'équilibre et de muscler un petit peu le milieu avec des joueurs qui sont certes box to box parce que son carré est marqué. À l'extérieur, peut-être qu'après à domicile, il va mettre Vada. Oui, mais Vada est pas bon. C'est vrai aussi. Enfin, il est moins bon depuis le début de la saison. À quoi va te servir Vada? Puisque le Rager, Vada, Otavio et Sankaré, c'est kiff kiff bourricot là-dedans. Ah non, Vada est plus créateur. Plus créateur. Que les autres, ouais. Hein. Je sais pas, à chaque fois que j'ai vu jouer Vada, il part de ce poste de sentinelle pour apporter un plus quand on lui laisse l'espace. Mais regarde bien, il se retrouve jamais de haut but. Et pour moi, quelqu'un dans le style de Tejo ou de Gourvennec, comme tu dis, c'est quelqu'un qui se met entre les lignes. Et qui fait, l'allant entre ce fameux milieu relayeur et l'attaque. Et l'attaque. Pour l'instant, tu l'as pas. Et c'est Malcolm qui le fait. Il est revenu du Mali, il va jouer, là, vous allez voir. Ah oui, ouais, mais Gigi. Mais je vais t'expliquer un truc. Quand t'as un joueur comme Gires dans l'équipe, t'as pas besoin ni d'attaquant ni de milieu relayeur. C'est Besançon qui avait connu 7 défaites également dans une poule unique à 16 équipes à l'époque. Victoire à 2 points à l'époque. 7 défaites, les premiers matchs. Sur les 7 premiers matchs de la saison. Voilà, ça c'est dur. Pour la petite histoire. Alors, pour raconter un petit peu le contexte, hein, forcément, tous les joueurs abattus. Il y avait 2500 supporters lensois qui avaient fait le déplacement. Il n'y a pas eu de soucis dans le stade. Bon, il y a eu quelques fumigènes mais pendant le match. Mais après, il n'y a pas eu de cris. Voilà, ils n'ont pas été hués. Il y a quelques sifflets quand même. Les joueurs très abattus parce qu'ils se sont battus, mais ils ont été inoffensifs. Devant, c'est une catastrophe. Le gardien de Valenciennes, Damien Perkis, n'a pas dû faire le moindre arrêt. Enfin, vraiment, c'était un peu le néant offensif. Sinon, dans l'implication, dans le sérieux, ils n'ont pas été inquiétés non plus dans le jeu. Face à Lorient, c'est vrai qu'on avait vu un peu un léger mieux quand même depuis l'arrivée d'Eric Sicora, mais voilà, ils sont dans le trou noir. Ils ont raté leur premier recrutement avec 5 joueurs qui d'ailleurs ne sont plus alignés à l'époque d'Alain Casanova. Ils ont recruté 5 nouveaux joueurs à nouveau, et il faut le temps que la mayonnaise prenne, mais forcément on est à Lens, c'est un gros club qui est en Ligue 2, et la patience, c'est vrai, c'est compliqué. C'est comme à Marseille, à Paris ou à Saint-Etienne, c'est des clubs populaires, des clubs où on veut que ça marche très vite, et là je pense que les supporters sont résignés.